Je salue tous les spectateurs et spectatrices du Pactol TV. Je vous bénis. Je suis votre humble serviteur Sylvain Thierry Ferreyma. Je suis revenu encore sur ce plateau pour vous partager les pensées du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour Pactol TV et tous ceux qui travaillent pour véhiculer le message du Seigneur. Je bénis tous ceux qui m'ont appelé de loin ou de près, des États-Unis, de France, de Belgique, d'Afrique, et ceux qui sont de parcours, qui m'ont appelé et qui ont été bénis par mes passages sur ce plateau. Une fois de plus encore, le Seigneur a permis que je revienne pour partager une pensée avec vous. Et je pense que quelqu'un va être béni ce soir. J'aimerais que nous lisions dans la Bible un chapitre et nous allons voir quelque chose dans cet épisode de Matthieu chapitre, nous ouvrons notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 8, nous commençons au verset 5 jusqu'à 13. Et comme il entrait dans Capernaüm, un centurion vint à lui le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie horrible, horriblement tourmenté. » Et Jésus lui dit, « J'irai moi-même, je le guérirai. » Et le centurion répondit et dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats. Je dis à l'un, « Va, il va. » Et un autre vient, il vient. Et à mon esclave, fais cela, il le fait. Et Jésus, l'ayant entendu, s'en étonna et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une même en Israël une si grande foi. Et je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et s'assiéront avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, « Va, et qu'il te soit fait comme tu as cru. » Et à cette heure-là, son serviteur fut guéri. Je pense que, en lisant ce chapitre, nous nous posons beaucoup de questions. Et nous voyons ici comment Jésus a loué la foi de cet homme. Mais nous nous posons cette question. Tous nous disons, mais qu'est-ce que c'est que la foi? Je l'ai toujours dit, la foi est la monnaie du ciel. Vous savez, présentement, j'ai la monnaie. Personne ne m'empêchera d'acheter ce que je veux. La foi est la monnaie du ciel. Je dis encore, je dirais encore un peu plus que la foi, c'est dire oui sans discuter. Je peux encore dire un peu plus loin, la foi, c'est être avant de devenir. Nous voyons ici, dans cet épisode, un homme qui avait un problème, qui avait un sérieux problème. Vous savez, chaque personne a son problème. Chaque personne a son problème, mais cela dépend de la manière dont chacun de nous affronte ses propres problèmes. Cet homme avait un problème chez lui. C'est comme d'autres qui me suivent, d'autres ont des problèmes de finances, d'autres ont des problèmes de mariage, d'autres ont des problèmes de santé, d'autres ont des problèmes, ça dépend. Chacun a son problème. Mais pour cet homme, la Bible nous parle d'un centurion. C'est un homme, un capitaine de l'armée, qui avait un sérieux problème dans sa maison. Et l'ayant entendu parler de Jésus, cet homme est allé vers Jésus parce qu'il a un de ses serviteurs qui était paralysé et qui était malade. Et cet homme est venu voir Jésus en lui disant ceci. Viens chez moi, j'ai mon serviteur qui est malade. Jésus l'ayant entendu parler, il a répondu à cet homme, j'irai et je le guérirai. Mais cet homme a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Même là où tu es, il suffit seulement de parler. Mon serviteur sera guéri. La Bible dit, Jésus s'est tourné, il a regardé cet homme. Et Jésus acclamer la foi. Jésus a parlé sur la foi de cet homme. Il a dit, je n'ai
Je n'ai vu en Israël une de si grande foi. Attendez, si nous nous posons cette question, nous disons, mais comment? Donc en Israël, c'est seul cet homme qui a la foi. C'est comme on peut dire ici en France, quelqu'un peut dire que dans toute la France, il n'y a qu'une seule personne. Si on faisait un concours de foi, donc c'est pour dire que c'est lui seul qui passera. Et nous nous posons cette question, nous disons, mais comment? Dans tout Israël, et même les disciples doivent se poser cette question, mais nous, alors qui sommes à côté, cela veut dire que nous n'avons pas cette foi, nous n'avons pas la foi. Et même ceux qui me suivent à côté de leur poste, je suis sûr que nous nous posons cette même question. Nous nous disons, mais c'est de quelle foi Jésus parle? Parce que quand nous lisons la Bible, Jésus parle beaucoup plus de la foi. Arrivé quelque part, Jésus a dit à ses disciples, homme de peu de foi. Mais c'est de quelle foi que Jésus parle? Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais c'est de quelle foi que Jésus parle? C'est de quelle foi que les disciples parlent? Est-ce qu'ils n'ont pas la foi? J'aimerais, mes frères, que vous me suivez. Et je me suis posé cette même question que vous. Est-ce que nous n'avons pas cette foi? Et c'est de quelle foi Jésus parle? Et cela m'emmène à me poser la même question et aller devant le Seigneur pour recevoir cette révélation que j'aimerais ce soir partager avec vous. Et je suis sûr et certain, une personne sera bénie ce soir. Quand nous parlons de la foi, j'ai prié un jour, je me dis, mais Seigneur, tu parles de la foi. Quand nous lisons la Bible, le plus souvent, tu parles de la foi. Tu parles de la foi. Et jusqu'à parler, louer la foi d'un homme. Alors, le Seigneur m'emmène sur un domaine que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, la foi dont Jésus parle, ce que Jésus m'a révélé et que j'aimerais vous faire comprendre ce soir, la foi a trois dimensions. Et je me dis, mais comment? Et vous vous posez cette question, vous dites, mais comment? Je vais vous démontrer que la foi a trois dimensions. La première dimension de la foi, c'est cette foi que j'appelle la foi croyante. La foi croyante, c'est cette foi qui nous pousse à croire au Seigneur sans l'avoir vu. Jésus a dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Moi, je n'ai pas vu Jésus, mais j'ai cru en lui. Cette foi qui nous pousse à être déterminés, à accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est cette foi que j'appelle la foi croyante. Ça, c'est la première dimension de la foi. C'est cette foi qui nous emmène à croire au Seigneur. Après la foi croyante, il y a la deuxième dimension de la foi que je nomme la foi obéissante. La foi obéissante, c'est cette foi qui nous emmène à obéir à la parole de Dieu. C'est cette foi qui nous pousse à dire oui à tout ce que Dieu dit. Qu'est-ce qui nous motive? Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens sont motivés. Vous pouvez même mettre leur cou aux guillotines. Ils vous diront que Jésus est leur Seigneur. D'autres sont prêts à laisser leur vie pour Jésus parce qu'ils savent que quelque part, il y a une promesse que Jésus a faite à ses disciples, qu'il ira préparer une place pour eux au ciel. Et qu'il reviendra les prendre, enfin qu'ils viennent y habiter. Mais qu'est-ce qui les emmène à croire à cette parole? C'est la foi obéissante. C'est cette deuxième dimension de la foi que j'appelle la foi obéissante, c'est-à-dire la foi qui nous emmène à obéir à la parole de Dieu. Quand Jésus nous dit, ou la parole nous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, nous obéissons, c'est ça, c'est une foi que j'appelle la foi obéissante. C'est cette foi qui nous pousse à obéir. Et la troisième dimension de la foi, c'est cette foi que j'appelle
la foi opérationnelle. Voilà, c'est de cette foi que Jésus parle. La foi qui saisit le miracle. La foi qui peut arracher ta bénédiction dans le royaume des cieux. On peut avoir la foi croyante. On peut avoir la foi obéissante. Mais cela n'est pas suffisant pour saisir son miracle. Il nous faut la foi opérationnelle. Et Jésus parle de la foi opérationnelle. La foi dont Jésus parle ici, c'est la foi qui opère, la foi qui saisit le miracle. Nous voyons l'exemple de cette foi. La femme qui avait la perte de sang, qui est allée vers Jésus, elle a manifesté la foi opérationnelle. Sa foi a opéré un miracle dans sa vie. Je sais que vous me suivez. Si vous pouvez quitter les deux autres fois ce soir en me suivant, vous pouvez quitter la foi croyante, vous pouvez quitter la foi obéissante. Et si vous pouvez rentrer dans la troisième dimension de la foi opérationnelle, je vous assure, vos miracles seront là, vos guérisons seront là, vos mariages seront là, vos finances seront réglées, vos problèmes seront réglés. Parce que la seule chose qui saisit et qui obtient, la seule chose Dieu ne peut pas s'en passer, c'est la foi opérationnelle. Quand on a la foi opérationnelle, on attire le Seigneur, on attire la faveur, on attire la grâce. Et je suis convaincu que ce soir, quelqu'un peut manifester cette foi. Je sais que tu as déjà la foi croyante, parce que tu as déjà cru au Seigneur. Je sais que tu as la foi obéissante, cette foi qui t'emmène à obéir. Mais il te faut ce soir la foi opérationnelle, la troisième dimension de la foi. Et vous voyez, c'est de cette foi que Jésus parle. Le plus souvent, nous nous posons cette question, nous disons, mais Jésus parle de quelle foi? C'est de cette foi que Jésus parle de cet homme. Jésus a loué la foi de cet homme parce que sa foi est passée de une, deux à troisième dimension. Et Jésus a dit, je n'ai pas encore vu cette une si grande foi en Israël. Cet homme a passé les trois dimensions de la foi. Et il mérite de recevoir son miracle. Il a eu son serviteur guéri au même instant où Jésus parlait. Alors mes frères, vous pouvez saisir vos guérisons. Tu peux saisir ton miracle ce soir. Tu peux saisir ton mariage. Tu peux saisir tout ce soir. Tout te sera possible. La Bible dit, rien ne te sera impossible. Quand nous avons la foi opérationnelle, rien ne nous sera impossible. Nous ne sommes plus naturels. Nous deviendrons surnaturels. Parce que ce qui nous donne la capacité surnaturelle, c'est cette foi opérationnelle. La troisième dimension de la foi, c'est que nous ne sommes plus naturels. Nous deviendrons surnaturels comme Dieu. Nous opérons comme Dieu. Rien, aucune chose ne nous sera impossible. Alors, chers frères, je suis convaincu et j'ai cette foi que tu as dépassé les deux dimensions de la foi et ce soir, ton miracle sera possible. Alors, je vais prier maintenant pour vous, pour que Dieu puisse agir dans vos vies. Parce que Jésus a dit « qu'il te soit fait selon votre foi ». À chaque fois, Jésus dit « qu'il te soit fait selon ta foi ». Alors, je vais prier ce soir. Le miracle se fera selon ta foi. Si tu crois que cela peut se faire maintenant, cela se fera maintenant. Si tu crois que ça va se faire demain, il te sera fait selon ta foi. Alors, manifeste la troisième dimension de la foi et tu verras ton miracle. Seigneur, je te prie maintenant pour tous ceux qui sont à côté de leur poste, qui m'ont suivi ce soir, qui ont suivi, Seigneur Jésus-Christ, ce message venant de toi. Seigneur, qui ont suivi, Seigneur, cette inspiration, cette révélation, Seigneur Jésus, que tu m'as donnée sur la foi. Et Seigneur, qui ont voulu mettre en pratique, Seigneur, cette révélation. Père, tu as dit qu'il leur soit fait selon leur foi. Seigneur, comme ils ont la foi, accorde-leur ce miracle maintenant, à l'instant où je parle, au nom puissant de Jésus. Je bénis leur foi et j'ordonne le miracle, Seigneur, parce que la foi opérationnelle est là. Gloire et honneur te soient rendus. Béni soit ton nom. En Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.
Alors que Dieu vous bénisse. Je suis sûr et certain que vous êtes édifiés ce soir. Je suis votre humble serviteur. Vous pouvez toutefois m'appeler sur mon numéro et je suis prêt à vous répondre. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus et je suis convaincu que vous avez la troisième dimension de la foi. Vous n'avez plus la foi croyante, la foi obéissante, mais vous avez maintenant la foi opérationnelle. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Pactol TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net. Titre du moment, les clips les plus suivis, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec Précis Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sur Pactol TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benkwen na bwala ku talaba buti. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, c'est moi, votre humble pasteur, le pasteur Doris, homme de Morija. Après plusieurs années dans le travail, dans les secrets, dans les prières, Dieu a enfin permis que nous puissions commencer l'œuvre ici à Paris. Et par la grâce de Dieu, le 12 mai
2018, Maurice Ministry va commencer ici à Paris et l'église Charisme sera ouverte. Et nous aurons comme invité l'apôtre Nestor qui est mon père avec l'évangéliste Janderson de Brésil. Sans oublier la participation du couple Pépé Kibala et beaucoup d'autres invités qui seront présents. Alors, il y a une seule adresse pour la sortie officielle de l'Assemblée Charisme du ministère du ministère Maurice Ministry sur la rue André Karma, numéro 73 300 Aubervilliers. Pour plus de références, voyez la mairie d'Aubervilliers. Cette œuvre ne se limitera pas seulement à Paris. Partout où Dieu nous donnera à cœur, nous donnera sa pensée, nous le ferons pour la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite tous, bien-aimés mes enfants, vous qui êtes à Paris, dans l'île de France, vous qui êtes partout, venez nombreux pour l'ouverture officielle de notre assemblée Charisme de Maurice Ministry à Aubervilliers, Paris, du 12 au 13 mai à partir de 14h. Alors que Dieu vous bénisse, les numéros de contact sont là. Vous pouvez appeler ces numéros-là pour avoir plus de précisions. Et par la grâce de Dieu, le groupe Pactol TV sera présent à l'ouverture pour transmettre les images à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes enfants Charisme partout où ils sont dans le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'était votre papa, papa Yabanebele. C'était votre papa, papa Doris, homme de Morija. Que Dieu vous bénisse. Waouh, c'est super! Floron musical? Ah oui, ça c'est bon! C'est super! Floron musical est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous car qu'on s'appelle Samoninga Moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Flairon Musica, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. A tout à l'heure. Zamba Lolo Mutima Sali Kemba Jalou Basala. Ouais, ouais, ouais.